Allô tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve avec mon père. Bonjour! Parce que l'an dernier, vous avez tellement aimé notre vidéo recap qu'on a pensé faire la même chose. Donc, je vais partager les tendances les plus marquantes de 2019, que ce soit des chansons, des vidéos, des personnes, et tester tes connaissances par rapport à ça. T'es-tu prêt? Oui! Donc, sans plus attendre, on va passer à la vidéo! On va regarder une vidéo et je veux que tu me dises si, premièrement, ça dit quelque chose et s'il y a quelque chose de surprenant à tes yeux. Ok, we're gonna wake Stormy up and get out of here and show you guys her room. Rise and shine. Oh my goodness, you have... C'est la première fois que je vois cette vidéo-là. La première fois? Ouais. Ok, il y a rien que tu as déjà vu passer sur les réseaux sociaux. En fait, cette vidéo-là, c'est le office tour de Kylie Jenner, donc où est-ce qu'elle a Kylie Cosmetics. Mais ce qui est devenu viral, c'est comment elle réveille son bébé. Comment elle réveille Stormy en disant « Rise and shine » parce que les gens, ils trouvaient qu'elle chantait bien. Mais je te jure, ça a tellement été gros sur Internet, il y a eu une tonne de mèmes en lien avec ça. Je vais te montrer mon préféré. « Rise and shine » Oh, the voice. Avoue, c'est bon! Oh, c'est bon! Je sais pas si tu te souviens, dans notre dernière vidéo, c'était assez drôle de t'entendre nommer des candidats d'occupation double. Oh non! 3, 2, 1, go! Oui, Jessica, William... Encore une fois, occupation double a été immense cette année, fait qu'on peut pas passer à côté. Mais là, j'ai un challenge différent. J'aimerais que tu nommes le plus d'expressions en lien avec cette saison d'occupation double. Avec Eau d'Afrique du Sud. Il y en a eu beaucoup, là! Aïe, aïe, aïe! Vite, vite, comme ça! C'est chez nous! Oui! Ça, c'est bon! Le parti était chez nous! Kevin, c'est quoi qui a dit? Me semble. Je suis le lion? C'est quoi le roi? C'est quoi? Ouais, ça pourrait être considéré comme. Quand il est arrivé. Le roi de la jungle. Le roi de la jungle. Je suis le roi de la jungle. Ah! Carl, ce show-là, il est-tu bon? Ouais. Quelque chose de même, c'est ouais, ça? Ouais, c'est bon ce show-là. C'était bon ce show-là. Puis une dernière de Carl, t'es-tu capable? Carl, qu'est-ce qu'il a pu faire? Peut-être plus au début, là. Ah! Ne touche pas à Paulina. C'est ça, non? Oui, c'est bon. OK. On ne touche pas à Paulina. Paulina. Don't touch. Paulina. Savais-tu que c'est en 2019 que les utilisateurs d'Instagram ont pu commencer à créer des filtres? OK, oui. Parfois, ben, ça modifie ton visage, des fois c'est des challenges, fait que je me suis dit que ça pourrait être drôle que t'en essayes quelques-uns. Comme tu peux voir, j'ai un compteur sur ma tête, et ça c'est un challenge de 6 secondes. C'est-à-dire que je dois cligner des yeux à exactement 6,000 secondes. Go! Ouvre les yeux! Ah non, c'est les yeux refermés. Ok, vas-y. Go! Merde! C'est bon, ça! Ouais! Tu entends quoi? Rien. Les gens qui l'ont normalement, ils partagent en story et sont bien contents. Tu l'as jamais partagé, ça? Non, parce que j'ai jamais fait ça. J'ai jamais vu faire ça. Malheureusement, en 2019, il y a plusieurs de nos couples chouchous qui se sont séparés. Fait que là, on va faire un petit jeu de vrai ou faux. Ok. Faut que tu me dises si ces personnes-là sont encore ensemble. Si ok. C'est vrai qu'ils se sont laissés. Ok, parfait. Alicia Moffette et Alex Melty. Est-ce qu'ils sont encore ensemble? Ben non. A eu un enfant avec un autre. T'es sûr? Ben là, faudrait que je mette mes lunettes, là. Ok, je te donne le droit. Ah, ben oui, il y a eu un enfant. C'est lui, hein, qui. Oui, ah, c'est oui, lui okay. Qui a eu un enfant. Cette année, ça a été la naissance de Billy Lou aussi. Là-dessus, elle est enceinte, mais. Elle est née. Khloé Kardashian et Tristan Thompson. J'ai pas vu ça passer. Je peux pas dire oui ou non, vrai ou faux, mais. Ça, là. Ça a été un énorme scandale de l'année. Ah oui? Ils sont plus ensemble. OK. En fait, ce qui est arrivé, c'est que Tristan, il s'est fait pogner à tromper Khloé quelques jours avant qu'elle accouche de leur enfant. Ah. Puis ça a fait les médias et tout ça, puis elle a décidé de rester avec lui. Sauf que quelques mois plus tard, il s'est fait pogner dans une aventure avec la meilleure amie de Kylie, qui est sa sœur. Sa sœur? Oui! Pauvre elle. Fait que non, là, comment se mettre d'accord? Ils sont plus ensemble. Mais oui. Lizanne Nado et Sean Dominican. Ils sont plus ensemble. Tu l'as vu sur Narcity? Ouais. Camila Cabello et Shawn Mendes. Ça, ils sont encore ensemble?
Ouais, hein? T'as raison. Ok. Je dois l'avouer, là, moi, je croyais pas du tout à leur relation. En fait, je pensais que c'était un publicity stunt. Je suis une grande fan de Camila et je sais qu'ils sont amis depuis tellement longtemps. Puis là, tout d'un coup, ils sortent ensemble en même temps qu'ils sortent une chanson. Ah, c'est donc bien cute, tu sais. Okay. Mais là, plus je vois des photos d'eux ensemble, j'y crois. Paisy Beaudin et Olivier Couture. Non, ils sont plus ensemble. En effet, ils se sont laissés pas longtemps avant que la nouvelle saison d'Occupation Double commence, si je me rappelle bien. Miley Cyrus et Liam Hemsworth. Ils sont plus ensemble. Malheureusement. Ils ont même plus avec la fille avec qui elle sortait. T'as raison! Hein? C'est pas pire, hein? C'est vrai, ben oui! Ça a pas duré longtemps, par exemple, avec la fille, là. Non. Mm. Et mais eux, ils ont été en couple pendant une dizaine d'années, ouais. Mais ils ont été mariés que quelques mois. Là, penses-tu que ça va être avec un gars ou une fille qu'elle va être? Ah, ça, je me prononce pas là-dessus. Non, hein? Je la connais pas assez. Je la connais pas assez. Je la connais pas du tout. C'est ça! Tu vois, je l'ai laissé passer, j'ai pas demandé. Comme tu le sais, pour ce genre de vidéo-là, je demande conseil à mes abonnés. Et selon mes abonnés, cette chanson-là a été la tendance la plus marquante au Québec pour 2019. C'est ce qui est revenu le plus souvent. Fait que je vais te faire... Genre, je peux te dire à peu près? Qu'est-ce que je pense? Ouais? Blue Jeans Blue? Ça? Ouais! J'allais te faire entendre les premières notes pour savoir si tu l'aurais. Ça m'étonne pas. Ah, on a tellement entendu parler. Est-ce que c'est dans tes cordes musicales? Ben, c'est cute. Ouais? Oh, je te dis pas que c'est la toune du siècle, là, mais ça s'écoute bien. C'est assez accrocheur. Bon, oui, ça plaît ça. J'ai dit, hey, fais-tu fait? On est chupé, j'ai 5 Dans les derniers temps, il y a une application qui s'est ultra démarquée. Est-ce que tu sais c'est quoi? TikTok. Oui! Ça fait longtemps que ça existe, mais je sais pas pour quelle raison. En tout cas, moi, je suis embarquée dans le train il y a pas si longtemps, puis étonnamment, j'aime beaucoup ça. J'ai ça en masse, puis je pensais pas avoir du fun là-dessus, puis je peux passer des heures à scroller. J'ai pensé que ce serait un bon, une bonne occasion de t'initier à ça. Pour qu'on en fasse un. C'est des petites vidéos de quoi? 30 secondes, c'est quoi? Ouais, de quelques secondes. Ouais, c'est ça, c'est pas long, hein. Puis j'ai un challenge parfait pour toi. Ah oui? J'ai hâte de voir ça. Papa. Oui. C'est quoi ça? Un papillon. Oui, et cette partie-là, ce papillon, comment ça s'appelle? Un aile. Une aile, oui. Puis en anglais? Wing. Oui. Tu peux mettre tes deux pouces en l'air, s'il te plaît. Es-tu capable de dire wing le plus rapidement que tu peux, le plus de fois que tu peux? Wing, 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 wing. On est maintenant rendu au tendance mode. Donc, je vais te montrer quelques items qui ont été extra populaires cette année. Tu dois me dire si, selon tes goûts, c'est beau ou pas. Excellent. Les souliers fila blancs comme ça, avec une grosse semelle. Les vêtements verts fluo. Non. Oui, j'aime ça. Les gros manteaux puffy, là, style Aridia. Les grosses barrettes. T'aimes pas ça? Bof. Une grosse barrette peut-être, mais pas des... Ok. Pas trop. Vois-tu? Ouais, c'est ça. Le style Vesco Girl. Fait pyjama pas mal. C'est fou? Ouais. Mais ce style-là, c'est souvent des vêtements un peu plus amples. Les pantalons fluorescents. Ben, alors des festivals, quelque chose de même peut-être, là. Ok. Peut-être pas pour aller faire l'épicerie, là. Je sais que c'est Nana comme ça. Oui. Mais je trouve qu'elle serait pas insultée. Non, non, mais je trouve ça beau. Quand j'ai vu ces photos, j'aimais ça. Mm-hmm. Le style de tube où on voit les oreilles. Non. Les réseaux sociaux ont amené une tonne de controverses aux influenceurs cette année, c'est l'enfer. Fait que je vais te lire quelques situations, puis tu dois me dire si c'est réellement arrivé. Ok. Un scandale a éclaté entre les youtubeurs Tati et James Charles parce que ce dernier a fait la promotion de Sugar Bear Hair, une compagnie compétitrice à celle de Tati, qui était à l'époque l'amie et la mentor de James. Elle a publié une vidéo pour exprimer son mécontentement et pour dénoncer ses comportements inadéquats. Je sais pas. Ça là... C'est vrai? Je t'annonce que ça a été le plus gros drame internet depuis longtemps. Ouais, ouais. James Charles, c'est un des youtubeurs les plus populaires des dernières années. En tout cas, du moins côté beauté. Et il a perdu 3 millions d'abonnés à cause de toute cette affaire-là. Il est passé de 16 à 13 millions en une semaine. Après s'être fait voler ses effets personnels au Mexique, l'influenceur Pierre Cloutier s'est retrouvé dans un taxi sans moyen de payer sa course. C'est faux, c'est PO. Oui! C'est pas pire, hein? C'était une colle! Je sais. Même, je dis, elle se trompe.
Veux-tu mes lunettes? Mais le pire, c'est que Pierre Cloutier, il se fait insulter assez couramment parce que les gens, ils pensent que c'est lui. Ben voyons. Je te jure. Faut-tu être innocent, premièrement, pour insulter quelqu'un via les réseaux sociaux? C'est ça. Et deuxièmement, pour se tromper. Ça me fait capoter. La YouTubeuse Jaclyn Hill a lancé en mai dernier sa propre marque de cosmétiques. Malheureusement, plusieurs consommatrices se sont plaintes d'avoir reçu des produits troués, brisés, avec des grumeaux ou même recouverts de poils. C'est vrai. Et ça, là, grosse affaire, là, ça doit être dur à gérer aussi, là. Vraiment. Puis moi, c'est une YouTubeuse que j'aimais beaucoup, mais là-dessus, elle s'est totalement plantée, puis elle a perdu, je sais pas combien d'argent, là, parce qu'elle a dû rembourser tout le monde. C'est-tu le distributeur qui a mal fait sa job ou. Encore aujourd'hui, c'est pas clair. Elle se défend, mais c'est pas cohérent par rapport à ce qui est arrivé. OK. En tout cas, longue histoire. Donc, c'est ce qui complète notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez faire un thumbs up, s'abonner à ma chaîne, mes réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Et évidemment, je veux vous souhaiter une très joyeuse année 2020. Puis, nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Bye!